Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler du drama sud-coréen Search. Dedans, une équipe de soldats sud-coréens entre dans la zone démilitarisée entre les Corées du Nord et du Sud, parce qu'ils s'y trament des, des choses louches. Des chiens sauvages enragés y feraient des dégâts, paraît il, mais rapidement il va transparaître que la vérité est tout autre. Ce drama fait partie de mon projet Mermaid, un projet dans lequel je me suis imposé de visionner tous les dramas vus en entier par une inconnue, donc Mermaid, et j'étais censé prendre les dramas plus ou moins dans l'ordre alphabétique, mais là j'avais envie de voir celui-là, donc euh, voilà, j'ai regardé Search, que j'avais déjà dans ma liste de séries à regarder depuis sa sortie de toute façon, parce que c'est de l'horreur et qu'il y a Jang Dong-hyun dedans. C'était à peu près d'ailleurs tout ce que j'en savais, et au visionnage il s'est avéré que Jang Dong-hyun n'est pas le seul acteur que j'aime bien qui est au casting de cette série. Je vais pas vous mentir, du reste, ça a été une bonne chose parce que. Les personnages passent pas mal de temps dans des uniformes similaires à progresser dans des endroits sombres, donc j'étais contente de connaître plusieurs visages. Ça m'a pas mal aidé à situer les gens dans, dans quelques scènes. Malheureusement, le drama m'a un peu déçu. J'ai jamais détesté le regarder et j'étais même intriguée et enthousiasmée dans les premiers épisodes. Mais plus le drama a continué, plus je me suis lassée de ce qui se déroulait à l'écran. Et à mes yeux, la série a lentement, mais sûrement, progressé vers le bof. Donc je m'en vais expliquer ça. Et sur mon échelle des spoilers, cette vidéo va se situer à un niveau 1. Je ne vais pas spoiler ni la fin, ni ce que deviennent les personnages, ni les gros retournements de la série, mais je vais donner une bonne idée de, de ce qu'est le drama. Donc si vous préférez en connaître le moins possible, vous pouvez sauter directement à la conclusion. Ah, et quand même, le personnage principal est dresseur de chiens. Les chiens sont emmenés en mission militaire dangereuse, et j'imagine que certaines personnes voudront savoir s'il arrive du mal aux chiens, donc je mettrai ça dans la description de la vidéo pour qui a besoin de savoir. Allons-y. Au début, j'ai vraiment bien aimé ce drama. Bon, techniquement, au tout début, il y a eu l'opening que j'ai trouvé assez naze avec son procédé euh, flash de couleur et euh, fondu au noir qui se répète sans beaucoup de variations. Et puis la musique répétitive qui n'aide pas non plus et qui continue dans l'épisode 1 à tel point que à la fin de l'épisode, euh, chaque fois que j'entendais ce. J'avais envie de mettre le drama en muet. Mais après ça, j'ai commencé à apprécier la série pour plusieurs raisons. Pour amorcer par là, bien entendu, il y avait une simple question de curiosité. Je voulais savoir ce que les soldats allaient trouver. Alors, c'était pas ça qui allait me porter jusqu'au bout de la série, parce qu'on a la réponse avant la fin, même s'il faut attendre un petit peu pour qu'elle soit tout à fait complète. Mais euh, tel le chat curieux, j'étais simplement curieuse. Par ailleurs, le casting a joué, évidemment. Je suis pas super familière de Crystal, mais je l'avais malgré tout déjà croisée et appréciée dans Crazy Love et dans Bride of the Water God, du coup j'étais contente de la retrouver. Pareil pour Yoon Park, que j'avais bien aimé dans Legal High, même si le personnage en soi était assez moyennement écrit. Et puis Ian Woo, qui avait fait forte impression dans Strangers from Hell, malgré un temps d'écran limité. Et je l'avais aussi beaucoup aimé dans She Would Never Know. Donc lui aussi, j'étais contente de le voir. Et quant à Jang Dong Hyun, je l'avais aimé dans E A Poem A Day, mais surtout je l'avais adoré dans Tale of Nokdu. Donc c'était un plaisir de le retrouver, d'autant que une partie du drama consistait à regarder le personnage être adorable avec ses chiens. Donc c'était du bonus, et on sent que Jang Dong Hyun s'est bien préparé pour le rôle. Par contre, j'ai pas super compris pourquoi tous les personnages féminins étaient à fond sur lui. Enfin, je comprenais pourquoi elles étaient à fond sur lui. Mais je comprends pas pourquoi c'était juste lui parce que apparemment pour euh, entrer dans le squad du drama faut avoir une gueule de mannequin c'était le squad le plus esthétique de l'histoire du squad et ça me faisait sourire ça faisait partie des choses qui me faisaient sourire ça et puis aussi euh, l'effet le monde est petit et puis le coup que les personnages tombent sur les plus grosses couilles de leur vie alors qu'ils sont à deux doigts de sortir de l'armée c'est le fameux cliché de il me restait deux semaines avant la retraite et puis aussi ce que tolérait l'armée parce que euh, j'aimais beaucoup L'ex militaire Badass devenu civil, mais c'était un peu chelou ce que le squad lui laissait faire. J'aurais cru euh, l'armée moins laxiste, pour être honnête. Mais j'aimais bien le personnage, donc ça m'allait. Et à vrai dire, à un niveau superficiel, j'affectionnais presque tous les personnages, pas nécessairement en tant qu'individu parce qu'ils sont pas hyper creusés en tant qu'individu, mais euh, je les aimais bien en tant que groupe. En particulier, j'aimais bien la, la petite équipe de Dongjin, donc celle avec laquelle il commence le drama. Ils étaient juste attachants et c'était une bonne chose. Déjà parce que, même si c'est pas obligatoire, ça fait jamais de mal d'avoir des personnages attachants. Mais aussi parce que le drama n'est pas aussi angoissant que je m'y étais attendu et il est aussi moins brutal que ce qu'il avait voulu me faire croire. Lorsque le monstre de la DMZ attaque ses victimes, donc au début, avant que. On... quand on l'a pas encore bien vu, en fait, je trouve que via les effets sonores, via le montage, le drama nous communique que les assauts doivent être brutales, sauvages, sanglants. Mais quand on devine le résultat à travers le floutage légalement imposé, bah finalement, il semble pas y avoir grand chose à flouter, justement. On est loin de la brutalité de Predator, dont Search semble être au moins partiellement inspiré. Mais ça, à la limite, j'en ai pas grand chose à péter. À vrai dire, quitte à flouter du presque rien, j'aurais même préféré qu'on ne nous montre rien du tout, si bien qu'il y aurait rien eu à flouter non plus. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'angoisse, alors bien sûr, c'est subjectif, ça va dépendre de ce qui vous fait peur. Mais pour ma part, il n'y a que la scène dans les hautes herbes, donc fin épisode 1, début épisode 2, que j'ai trouvé un chouïa stressante. Surtout qu'à ce moment-là, bah, on avait toujours du suspense quant à ce à quoi ressemblait exactement le monstre qui hante la DMZ. On ne savait pas encore précisément à quoi on avait affaire. Mais après ça, on commence à bien trop nous en montrer. Et honnêtement, les effets spéciaux sont font un peu cheap, je trouve, ce qui n'aide pas à tendre l'ambiance. En parlant d'ambiance, d'ailleurs, euh, je réalise hein, que je pinaille sans doute. Mais un truc que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est la façon dont le drama fait très peu sentir la température ambiante. Il est censé faire super chaud, les personnages font des remarques sur la question. Le plus jeune de l'équipe, d'ailleurs, en souffre pas mal. À un moment donné, il perd même connaissance. Et la chaleur rend aussi malade le chien du protagoniste. Mais pourtant, je trouve qu'on sent à peine cette chaleur à l'écran. Et je sais même pas comment ils se sont démerdés, en plus, parce que le drama a été tourné en été, avec des, des acteurs qui. Qui sont couverts d'équipements militaires, donc ils auraient dû dégouliner de sueur en permanence. Je suppose que ça aurait été moins sexy, mais pour moi, ne pas rendre l'écrasement et l'étouffement de la température, c'est vraiment une opportunité manquée, parce que ça aurait permis au drama d'avoir une ambiance plus marquée, plus lourde, plus inconfortable, qui aurait fonctionné à son avantage. En tous les cas, on ne peut pas dire que je tremblais de peur devant mon écran, c'était pas le genre de drama qui allait me réveiller la nuit et me donner des cauchemars. Et donc, c'était une bonne chose que, que j'en ai quelque chose à carrer des personnages, certains d'entre eux en tout cas, parce que je pouvais au moins avoir peur pour eux. Bon, pas tous, parce que Dongjin en particulier a une sacrée aura protectrice de protagoniste qui fait qu'il a l'air à l'abri du danger, même à des moments où ça paraît complètement improbable. Donc, je m'en faisais pas beaucoup pour lui, mais je m'en faisais pour sa petite équipe, ou du moins, je m'en faisais parfois pour elle, parce que honnêtement, je trouve aussi que le monstre de la DMZ est à dangerosité variable. C'est pas qu'il fasse jamais de dégâts, mais des fois les personnages s'en tirent très facilement et ça fait sembler le monstre bien moins redoutable. Et puis franchement, au bout d'un moment, le drama devient simplement répétitif et la tension retombe, ça ne prend simplement plus. A vrai dire, je pense que ce drama aurait fait un bon film de deux heures et qu'il n'y avait pas besoin de, de plus, à moins bien sûr de vouloir développer à fond les personnages. Mais c'est pas ce que fait le drama et donc je me suis mise à apprécier un petit peu moins la série. Pour commencer, dans la catégorie des opportunités non saisies, je pense que c'était une erreur de ne pas plus impliquer la Corée du Nord. C'est pas qu'on ne voit jamais de soldats nord-coréens, mais tout ce bordel arrive quand même à la lisière entre les deux pays, donc euh, voilà, la Corée du Nord aussi perd des soldats et elle doit bien avoir une réaction, avoir une opinion et tenter de remédier à la situation. Il y avait l'occasion parfaite de jouer sur la tension entre les deux pays, mais le drama n'en fait pas grand-chose et je trouve ça sincèrement dommage. Cela dit, grâce à cette série, j'ai appris que la DMZ, donc parce qu'elle est très peu industrialisée et qu'il y a peu d'humains sur place, c'est la zone d'habitat de plusieurs espèces en voie d'extinction. DMZ à tel point que certains activistes espèrent même que même si les deux Corées venaient à se réconcilier, la zone resterait la même. Donc voilà, yay yeah, éducation, je sais quelque chose de plus qu'avant. Plus sérieusement, je pense que c'était une erreur de prendre aussi peu en compte le côté Corée du Nord. Après, je suppose que ça m'aurait pas chagriné si ce qui était effectivement proposé m'avait passionné mais à la place on a droit à des méchants un grand méchant surtout que j'ai trouvé euh, assez banal et pas passionnant sans compter les aussi ordinaires vous savez les trucs euh, qu'on voit tout le temps en fait genre ce moment où le méchant vérifie pas que le job est fait ou bien euh, n'a aucun scrupule à tuer plein de monde mais subitement à un moment crucial et pour zéro raison il laisse quelqu'un en vie au lieu de tuer la personne et forcément ça revient lui bouffer le troufion parce que euh, Évidemment, bien sûr, et à côté de ça, les conflits naissent entre les personnages de personne à personne, mais les personnages ne m'intéressaient simplement pas assez en tant qu'individu pour que leurs conflits me passionnent. Ils étaient sympathiques, mais pas assez creusés pour me faire ressentir plus qu'un petit peu d'attachement. Dong-jin est très aidé par la très bonne performance de Jong Dong-yoon, mais même lui, j'ai eu le sentiment que le drama aurait pu faire plus du personnage parce que euh, je trouve qu'en fait, on a tendance quelquefois à oublier que le type n'est pas un soldat endurci, voilà, c'est juste un jeune homme qui fait son service militaire et qui était à deux doigts de la, de la liberté, je veux dire. Alors, je ne vais pas dire qu'il se les coulé douce jusque-là, parce que de ce que je sais du service militaire sud-coréen, ça ne me paraît pas probable, mais il n'a pas l'air d'avoir vu énormément d'actions très sérieuses, et parfois, on sent effectivement que c'est encore un type qui n'a pas une expérience monstre, y a malgré tout une prise à la légère de certains trucs dans la seconde moitié du drama, surtout que j'ai trouvé un petit peu dommage. En soi, ce serait pas si dramatique, c'est juste que ça vient s'ajouter à la longue liste des choses que le drama établit et dont il ne se sert plus qu'à moitié après ça. Ça dit, au moins, il s'en sert à moitié parce que Dongjin malgré tout euh, change à travers cette épreuve. Alors que du côté de l'héroïne, donc euh, Yelim, le constat est plus triste. Le personnage est engageant, elle est euh, compétente, elle est intelligente, mais ce qu'on sait d'elle est à peine utilisé. Elle a un passé commun donc, avec Dongjin, mais c'est jamais très creusé, et le drama incorpore donc, petit à petit des éléments sur elle, mais sans en faire véritablement quoi que ce soit. Si bien qu'elle est agréable, mais j'étais frustrée parce qu'il euh, y avait bien plus à faire avec ce personnage. Pareil pour Jun Sung, donc le personnage de Yi qui a une relation compliquée à quelqu'un d'important dans le scénario, mais c'est introduit tard et euh, ça reste tellement en surface en fait que j'aimais bien le personnage, c'était même mon second personnage favori, mais j'avais toujours ce sentiment de voir une esquisse de personnage, de voir un début et pas grand-chose de plus. Ceci étant dit, le pire à ce niveau-là, c'était clairement euh, le personnage de de Yoon Park, qui au début est intrigant parce qu'il rencontre donc euh, Dong Jin en prison, dans une cellule. Et il a l'air d'avoir une personnalité pas commode et on sait pas trop pourquoi il est là. Mais après ça, encore une fois, on reste trop en surface sur le personnage. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de développement. Et lui, en plus, il n'a pas l'avantage d'être attachant. Donc, euh, en fait, il devient juste d'autant plus frustrant. Pourtant, les prises de bec entre lui, Dongjin et Jun-Sung auraient pu m'intéresser. On a le plus haut placé, donc, qui est focalisé sur la mission. Le bleu, qui est porté par ses instincts et ses sentiments. Et l'entre deux, qui respecte la hiérarchie, mais qui essaie de rester humain dans la gestion des troupes. Le drama se déroule dans un contexte donc militaire, et le protagoniste ne semble jamais tout à fait à sa place parce qu'il se laisse beaucoup porter par ses instincts, ses émotions, son envie d'aider, sans toujours prendre en compte bah, son devoir, ses ordres ou juste ses coéquipiers qui comptent sur lui, sur sa présence en fait à tel endroit, à tel moment. Alors parfois ça lui réussit, parfois pas. Il n'est pas le seul personnage, cela dit, à remettre en question des supérieurs le drama brassant des thèmes tels que l'obligation morale, le devoir de divulguer ou cacher certaines informations, la justice, le bien commun, ce genre de choses, des trucs qui sont pas inintéressants mais dans lesquels search ne ne creuse encore une fois pas beaucoup. Quant à la dynamique entre les trois personnages, elle se répète sans évoluer suffisamment et ça a fini par en devenir lassant au même titre que le reste pour moi, si bien que petit à petit, je me suis lentement désengagé du drama au point que Autant dans la première partie, quand les personnages prenaient cher, j'avais mal. Autant euh, vers la fin, ça me faisait plus grand chose, pour être honnête. À l'épisode 5, je commençais déjà à sentir le temps passer et à trouver que le drama tournait en rond, ce qui est toujours d'autant plus frustrant quand ça va de pair, en fait, avec le sentiment qu'il y aurait des choses à développer, mais euh, que le drama n'en faisait simplement rien. À la place, c'était juste important de saturer le drama de flashbacks, souvent inutiles. Au point qu'à la fin, je vous avoue que ça me sortait des scènes très émotionnelles parce que, euh, en fait, j'en avais simplement ras cul de ces flashbacks à la con. Pour moi, en fait, en tout cas, passé ces deux premiers épisodes et surtout dans sa seconde moitié, le drama est trop tiède. C'est-à-dire que il donne un peu dans l'horreur, mais sans complètement parvenir à faire peur. Il donne dans des drames personnels, mais sans passer suffisamment de temps sur les personnages pour que ça prenne vraiment. Il introduit des débuts d'axe, mais il ne les développe pas tout à fait. Il devient trop poussif aussi et répétitif pour être tout à fait fun. Et en clair, il fait un peu tout, mais sans rien faire à fond. Donc il est très regardable, parce que les acteurs sont bons, parce que les personnages sont raisonnablement attachants, parce que j'ai un faible pour les histoires de monstres aussi, parce que, sauf, enfin, voilà, il y a des moments où ça bouge un petit peu, parce que aussi c'était intéressant de voir comment fonctionne la DMZ, même si bien entendu une fiction n'est pas un documentaire. Et aussi parce que honnêtement, il n'y avait pas besoin de beaucoup réfléchir. Mais c'est certainement pas une série qui va énormément marquer et je l'ai trouvée décevante par rapport aux attentes qui avaient créé ses débuts. Donc c'est dommage. Bon, cela dit, j'étais pas fâchée de, de le regarder, ne serait-ce que pour le casting, pour Jung dong Yoon et pour ses chiens. Sur ce, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo lorsque les cochons seront volés.